depuis la dernière présentation que nous faisons, il y a trois nouvelles arrestations qui sont effectuées. Il s'agit de deux policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Covin. Dominique Covin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Béria et réunion ça a été faite la caille Covington qui était arrêté déjà. Et toute information ça a eu confirmé nos collecteurs après analyse déclaration à Sayan. Nous présentons nous là Dominique Covin qui sous contrôle la police il est en détention. Après ça, la justice lance 8 mandats d'amener et 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascard Joseph Pierre. Ascard Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir à sa yon, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après mandat, monsieur qui est un réfugié aux États-Unis, il nous est en route et nous demander aux autorités judiciaires aux États-Unis pour collaborer avec nous pour nous capables appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter l'auteur, le monde qui est plus dangereux, qui est exécuté, qui t'a suivi, commandité, et opération ça, c'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché. Et la police m'a dit, PNH l'a demandé, collaboration toute population hein, pour nous capables le plus vite possible de mettre un examen en bas. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Béhier. N'a pas cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous avons présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. Trois assaillants qui étaient tombés. Et il y a pile l'autre monde que le DCPJ a cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, une résidence John Joel Joseph. Trois résidences Joseph Félix Badjo. Une résidence Rinaldo Corvin. Entreprise qui appartenait à la famille Jarre, on l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, on l'autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83, et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgrin 2. En dans le cas, en dans la résidence, nous saisissons un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences. 45 fusils, parmi lesquels il y a une sésame de la police. 14 pistolets, il y a là-dedans une sésame de la police que nous retrouvons.
Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous joignons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires que vous prenez à l'encontre de policiers, dont 7 qui sont placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, ça, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans le cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches de calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, des cités ça déjà. Pour finir, Bral dit rapidement, nous jouons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel, l'enquête l'a continué avec un pile persévérance, la police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous travaillons sous pour nous chercher qui est-ce qui était by COB pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, pour l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut que COB pour faire financement ça. Gagner infiltration dans la police là, faut que tu aies un corps pour faire ça. Gagner beaucoup de monde, c'est City You. Vous avez un corps, vous payez chaque un montant pour vous toucher. Vous avez des contrats que vous avez signé avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire, gagner financement avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group. C'est lui qui t'a collecté comme pour bail. Parce que ça non. Information là. Nous en phase pour nous exploiter tout le matériel que nous avons saisi pour nous capables de retracer ou remonter à auteur intellectuel assassinat ça. Nous bail population garantie que la police là déterminé pour le faire travail là. Et c'est la police là qui a mené l'enquête là. Avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ, qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience, nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis, qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous, pour aider nous, retracer les gens. Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer. Contact que vous avez pour te joindre comme pour faire ça et finalement pour finaliser l'enquête là, remettre li ben la justice pour que la famille présidentielle t'ajoute justice, pour que le pays t'ajoute justice.